Donc aujourd'hui, je vais essayer les Easy Boots Backcountry à Signy, donc à 7 ans, qui est déféré depuis un peu plus de 2 ans et qui a donc jamais eu de chaussures. Donc j'en ai jamais mis, elle en a jamais eu. Je les ai commandées d'occasion, mais quand on les reçoit neuves, il faut penser en fait à resserrer des vis. Je ne vais pas toucher, c'est à part. Donc c'est un système en fait d'attache par strap. Donc d'après ce qui est marqué sur la notice, ça s'insère comme ça, enfin pour plier cette partie-là. Prendre le petit bout de main. Ici. Ça ne veut pas tout salir. Là, après, donc on l'enfile. Donc ça s'enfile, pour l'instant on dirait assez facilement. Force un petit peu, mais ça va. Poser. Voilà, donc on repose le pied pour que la chaussure soit bien mise. On va mettre d'abord cette partie-là. Ensuite, ici. Et on referme le dernier. Donc ça a l'air d'aller. On peut se resserrer un petit peu. Histoire d'être sûr que ça tienne. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On va essayer la deuxième. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de stresser Signy. Attends. Tourne, pépette. Voilà, tu t'en fous complètement. Donc les petites vis à resserrer du coup. Les petites vis. Voilà. Je sais pas du tout lesquelles c'est. De toute façon, j'avais pas de tournevis. Mais... Moi, je dirais toutes, vu que c'est neuf. Ça a l'air d'aller. Voilà, l'intérieur est fait comme ça. Voilà. Et le dessous est comme ça. Donc pareil, on fait comme pour l'autre pied. Donc je passe un petit coup de brosse avant, toujours pour que ce soit propre. Là, on va essayer de faire comme l'autre. Voilà, là ça m'a l'air bon. Je sais pas du tout si ça tourne au niveau des pieds ou si une fois que c'est enclenché c'est forcément bien mis. Donc j'espère que ça va aller. La poney a bien enfilé sa petite chaussure. Donc a priori, il n'y a pas de chaussure gauche et droite. C'est vraiment les mêmes chaussures, quel que soit le côté. Donc ça m'a l'air assez rapide à mettre pour une première utilisation. Je vais essayer de faire marcher la jument, voir ce que ça donne. Marche, nous. On verra du coup tout à l'heure monter ce que ça donne. Il y en a devant.
c'est clair. Le cheval, c'est trop génial. Wouhou. Bon, du coup, là, on a fini de monter. J'ai laissé les cils, on s'est changé. Mes petites protections pour être au sec. Donc, on va essayer maintenant d'enlever les chaussures qui sont plutôt pas mal comportées, j'ai trouvé, pendant la balade. Ouais, c'est pas usé. Ça n'a pas bougé au niveau des pieds, on va voir si ça a blessé. Donc on enlève tous les scratchs. Je pense qu'il faut sûrement faire ça. Voilà. Ouais, donc le pied en dessous, bah, nickel. Elle a l'air. On est passé dans des flaques et le pied est un petit peu sec au niveau de la sole. Donc je pense que ça doit quand même protéger un peu de l'eau. Ça n'a pas l'air trop abîmé. En fait, c'est plutôt bien. J'ai regardé si elle a blessé au niveau du pâturon. Non, nickel. Donc on va faire pareil pour l'autre côté. Arrête-y. Voilà. Donc voilà pareil. Ouais, ça a l'air de pas s'être trop usé. Pas blessé en dessous. Donc pour moi, bah, c'est une bonne expérience. Je suis assez contente. La jument, même dans des endroits où il y avait pas mal de cailloux et où d'habitude elle craignait beaucoup des pieds, là elle s'est très très bien comportée. Elle a pas montré de signe de douleur. Sur les parties qui glissent un peu, ça offre un petit peu d'adhérence, mais c'est pas non plus comme des crampons. Et après, par contre, on sent vraiment une différence là entre les antérieurs qui avaient les chaussures et les postérieurs qu'on n'avait pas et qui glissaient. Donc voilà. Après, à tester sur le long terme, voir combien de temps elle dure, et sur des efforts un peu plus longs que là où on a été parti une petite heure, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, très très contente de ces petites chaussures et backcountry.